en ce mercredi 22 juillet 2009 et à l'occasion de l'ouverture de la 11e convention de jonglerie. À Carvin, nous avons vraiment eu le plaisir d'accueillir tout un tas d'artistes venus de tout horizon. Vous arrivez de quel coin en fait? Paris, d'accord. Beaucoup de jongleurs d'ailleurs. Il y a énormément de Parisiens. Il y a la moitié de Parisiens, je pense, qui va être à Carvin. Ah bah c'est super. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir pour cette convention de jonglerie. Ah bah on est ravis aussi que vous accueillir. On va passer une bonne semaine. Carvin est des meilleures conventions de jonglerie. En France. Renommé, ouais. D'accord. Ouais, pour l'organisation, c'est tip top. Ouais, très bien. Et nous, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Moi, ça fait la sixième. Ouais, moi, ça doit faire la cinquième, ou un truc comme ça, cinquième fois. C'est toujours super. Ça fait chaud au cœur de vous accueillir, en tout cas. Merci. Bon courage. Au revoir. Hola. Ciao. Et pendant ce temps-là, nos amis du Cirque du Bout du Monde, s'affairaient à préparer la première journée des éclectiques dans la forêt fantastique. Accompagnez-nous dans cette forêt fantastique. Nous allons y voir peut-être des lutins ou des trolls, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons rencontrer l'ancêtre. L'ancêtre qui est installé dans une petite clairière. Et en haut de la montagne, si vous poursuivez le chemin, vous trouverez peut-être une conteuse. Oh, une petite araignée. Bonjour, petite araignée. Comment tu vas? Si je referme, tu vas être écrabouillé. Pour tendre une corde là, par exemple, c'est de là. Ouais. Si on en met une là, puis ça va faire un angle, et du coup, on ouvrira juste le petit angle. Voilà. C'est bon là ou faut le mettre à côté? Voilà. T'as cassé la branche? Bah oui, c'est branche qui est en train de... Celle qu'on voulait. D'accord. Je vais essayer de ramener un maximum de choses. Par exemple, des chaussures ou des chaussettes ou... Je pensais aussi si je pouvais trouver une robe de petite fille. Ce que j'aimerais bien, c'est une robe de petite fille rouge. Enfin, blanche avec du rouge dessus. Et je les accrocherai ici, comme ça, ça sera bien pour accueillir les groupes. Voilà, je n'ai plus rien à déclarer. À très bientôt pour suivre les aventures de nos amis du Cirque du Bout du Monde.